Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metal Gear Peace Walker, j'allais dire autre chose. Et donc, on va continuer ça tout de suite en avant. C'est parti, Snake uniquement, ah merde. Snake, I hope you can hear me. Word is you've been captured by Strangelove. I'm guessing they confiscated your gear, but I know you've still got something left. Search your memory, Snake. Allez, on y va tout de suite. Alors, on peut quand même... Ah non, on peut pas préparer notre mission. Merde. Nous sommes dans le bordel. I didn't defect. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? Your mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. Rise and shine. Coldman's greed does not concern me. I'm only interested in one thing. The truth. I'm a scientist, an AI developer, but not an AI myself. I'm a scientist, and as a scientist, I find this distasteful. You understand? I am a scientist. And I expect answers that make sense. Now, what do you know? Your boss defected from the US, taking a Davy Crockett with her, and used it to launch a nuclear strike on Soviet territory. That much I know from the CIA's official debriefing. Did she defect or not? Oui. Answer me! Did she or did she not die for her country? She sold us out. My orders were to take care of her. Liar! I want to know the truth! Brace yourself. Résistation! Résistation! Il faut résistationner! Oh, vite! Oui, j'ai résistationné. You hate me? Fine. Turn it up. Doesn't change the fact that I killed her. I know that. But what I don't know is your motive. Why would a hero, loyal to the end, betray her country? What really happened? What did you see? She betrayed more than just her country. She betrayed me, too. Then how do you explain that bandana? Why keep a memento of a traitor? What are you talking? And what about that scar? Don't tell me you have the same scars by sheer coincidence. Don't touch me! Decorating your body with her memory. Rather effeminate, if you ask me. Answer me! Jamais! Jamais je ne répondrai! Jamais! Tu n'électrocutes pas au bon endroit pour que je réponde! She sacrificed her life for America. Ça rappellera mes MGS1. Sacrificed all for a country that cared nothing for her soul or for her dignity. And you. Yes, I do hate you. But even you must understand how I feel. I have a right to know what she died for. Why won't you tell me? You're no longer one of Washington's lapdogs. You have no moral obligation to your country. Answer me!
Would you see your beloved boss brought back to life? Then say it! Say she died for America. That she remained true to the end. Gave her life for the country that betrayed her time and again. No. That woman was a traitor. What? For what purpose? She went to her grave, cursing her country. Why? Who is it? What are you protecting? I'm not helping you finish that thing. Face it. The boss is dead. Whatever's inside that machine, it isn't her. I'm raising the voltage. The next one might kill you! Eh bien, vas-y! Vas-y! Vas-y, Jacqueline! Vas-y! Je ne perdrai pas face à toi. Oh, je sais mâcher des boutons. Oh, je sais. Par contre, la vie descend. J'ai mal au pouce. Au secours. Mal au pouce. Why? Why not just give up? Mais nous avons survécu, Siané. Alors. Get in there. Alors, où est-ce qu'on en est ? Que faisons-nous ? Une évasion. Don't be getting any ideas. Alors, on va faire la même technique. Ah non, c'est vrai, on peut pas ramper dans celui-là. Je sais plus comment qu'on fait. Ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont laissé ma matraque. Donc ça, c'est très bien. Comment qu'on sort de là ? Merde. Toi, tu sais pas sauter ça ? Fais de naze. Tu es naze, snack. Plusieurs. Hein. Je vais en faire attention. D'accord. De quoi du calme. Stop it. Non. Non. Mon travail, c'est de t'emmerder. Stop it. Non. Bon. On va peut-être appeler des gens. Codec, oui. Ah, il fallait attendre pour se faire retorturer. On aime ça. Ready to talk now? Non. I've got nothing to say to you. I think you do. Very well then. Tu ne peux pas me tuer, je suis invincible. Ah, c'est chaud. Et tous les matins, je me fais électrocuter, moi. Get away. I don't care. I killed her. No, that is not what I want to know. I am invincible. You can't kill me.
souffrance. Oh, j'aime ça. Fais-moi souffrir. Peut-être changer de doigt. Hein. Kill me. Kill me now. Kill me. Stop it. Kill me. Shut up. Kill me. Shut up. Au secours! Au secours! On voit mon squelette! Au secours! Ça fait mal! Ne fais pas peur avec tes matraques! Ah, j'ai mal! Au secours! Ah! Ah! J'ai vraiment mal au pouce là! Ok. Bien. Ah. Ça fait du bien un petit peu d'électricité le matin. Voilà. J'ai envie de dire, voilà. Enfin, qui ne le fait pas tous les matins. Il a des lunettes. Le mec a des lunettes. Don't be getting any ideas. Au secours, aidez-moi. Je pense pas, non. Tu pouvais pas me laisser des grenades? Tu me redis la même chose, c'est ça? Je pense pas qu'il y ait qu'un moyen de craquer ce verrou. Au secours ! On va encore se faire torturationner. Là, un petit saut là. Non ? Tu veux pas venir là ? Là, je te prends la bouche et... Checks out okay. Regarde là. Alors, comment qu'on fait déjà? Je sais plus moi. Est-ce que tu penses qu'ils vont croire que je suis mort? Faites-les entrer, qui ça? Rien, je suis mort. Ah. Est-ce qu'il croit que je suis mort? Ah non. Eh bien, c'est reparti. L'épisode de la détente, pour vous. Pour moi, c'est l'épisode de la souffrance. Now, let's have it. The truth. I've said all I'm gonna say. Au secours! Ok. On s'échauffe le poignet. Il doit dans le cul, tout va bien. Tell me. Tell me. I don't hate you anymore. Do it! Kill me! I killed her! Please! Stop! Stop it! I killed her. My beloved. With my own hands! Stop it! That's not what happened. You're lying! C'est toujours bien quand les gens ne vous croient pas. Hein?
Allez, on y va. Est-ce que le bouton turbo ça marcherait? J'ai mal. Okay. All right. The truth. She betrayed her country. Liar! She's not a traitor! Merde, j'étais en train de me gratter. Au secours! Il peut même pas se gratter. Oh merde! Vous allez me dire, Snake, il peut pas se gratter non plus. L'endurance du Snake diminue. Ah, j'ai mal au... Au secours. I don't understand it. Parce qu'en fait, on... tu comprends pas parce qu'on dit la vérité depuis le début. Voilà. Ah, il y a vraiment des gens qui se font torturer comme ça. Ils disent la vérité, on continue quand même à les torturer. Hein. J'ai quand même à le dire. La torture physique n'a jamais bien abouti. Hein. Au bout d'un moment, on dit ce que l'autre veut entendre. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment la vérité? On ne sait jamais. Hein. C'est un peu le problème de la torture. Un petit peu la dichotomie. De la torture, c'est que la personne nous dit ce qu'on veut entendre au bout d'un moment et pas forcément la vérité. Est-ce que vous croyez qu'il y a un peu glitché à travers? Attendez, je vais me cacher là, il va pas me voir. Je joue avec ses nerfs. Je suis pas là. Tu me vois pas. Mais non, tu me vois pas. Dans les chiottes, y'a rien de caché dans les chiottes là. Je peux même pas pisser quoi. Snake n'a pas envie de faire pipi. En tous les jeux, on pourrait faire pipi. Mais Snake, c'est du sérieux. Il fait pas pipi, Snake. Un homme qui survit aux mines ne peut pas faire pipi. Mais si je me mets là, il me verra pas. J'en suis sûr. Ah, ils sont nombreux, hein. Tu me vois pas. Il y a main visible. Je suis le Snake. En vrai, je sais même plus comment on sort de là. Je crois qu'il faut juste se faire torturer des 10 fois et c'est bon. 12 000 fois. Je suis pas là. Stop it! De quoi? Allez, encore une. On est reparti. On aime bien ça, hein, se faire torturer. Il y a déjà 20 minutes d'épisode, on a toujours rien fait. Ready to talk now? I've got nothing to say to you. I think you do. Very well then. On aime ça, hein, ces petits passages. Mais on a déjà eu cette cinématique, donc c'est que là je dois vraiment essayer de me barrer quoi. Kill me now. Stop
it! Kill me! Shut up! Kill me! Shut up! Je sais plus s'il n'y a pas un autre truc derrière. J'ai vraiment mal. Bon, on va quand même essayer de s'échapper là parce que ça fait beaucoup. Elle me dit rien d'autre, Miller, à part essayer de crocheter la serrure. Et je sais pas, j'ai rien pour crocheter. C'est un petit peu compliqué. Et toi, de la salle de torture. Isn't there some way to bust that lock? Don't be getting any ideas. Comment on peut faire? Quiet. En fait, pour moi, je devrais pouvoir l'électrocuter ou une connerie comme ça, mais j'arrive pas à le faire. Il veut pas. Allez! C'est un petit peu chiant là. Je sais vraiment plus comment on fait. Hein. Parce qu'on est d'accord que la matraque elle passe à travers. Hein. Allez viens. Voilà, regardez, on me dit non, il veut pas le jeu. Donc c'est pas que la matraque. Je sais pas, je sais plus comment on fait. Vraiment, je sais plus là. Hein. C'est assez chiant. En vrai. On a essayé la matraque, on a essayé d'ouvrir. On va les passer, hein, parce que c'est la même chose qui tourne en boucle. Parce que là, il va dire kill me. Et à chaque fois, c'est la même chose. En plus, c'est long. Ah, mais il y avait une cinématique en plus, donc voilà, c'était peut-être la dernière fois et j'ai tout passé parce que j'en avais marre. Mal vu de la part des devs. I don't understand it. Take him away. Get in there. Commence à fatiguer. Alors au pire, je mets pause sur l'enregistrement et je regarde
Et je regarde sur internet, hein, la solution. Parce que là, ça commence à être long. Don't be getting any ideas. Pourquoi tu tends pas ton bras? C'est que je comprends pas. Fracturer. Mais je peux pas le fracturer. Tu es con quoi? Je peux rien faire. Je suis obligé d'avoir d'avoir cette arme. Je ne peux pas la retirer. Je peux même pas essayer de jouer avec les mains. Qu'est-ce qu'on me dit? Une arme non létale délivrant. Maintien carré enfoncé. Ouais. Ça marche pas. Ouais, enfin, j'ai envie de dire, arrivé un moment. Voilà quoi, je maintiens. Hein. Donc, à la pupille, de toute façon. Donc, voilà, enfin, je veux dire. Et moi je voyais bien du CQC là, tu le prends, tu lui éclates la tête contre le... Pourquoi tu le prends pas par son flingue là? Et là tu le prends par son flingue et tu l'éclates contre la... Contre la machin quoi, contre la grille. On va recommencer. Ça devient long. Ça devient long et chiant. Et puis on a rien. Hein. Pas d'armes, pas d'objets. Je veux dire, je fais que ce que j'ai et ça ne marche pas. Hein. Donc je vois plus. Là je ne peux pas. Je ne peux pas voir. Arrive un moment. Bon. Ready to talk now? I've got nothing to say to you. I think you do. Very well then. Kill me. I don't care. I killed her. No, that is not what I want to know. Alors. Apparemment, c'est une histoire de miroir. Mais je suis moins bon avec la main gauche qu'avec la main droite. Tu l'as remarqué ? Apparemment, c'est une histoire de miroir. Et il faut avoir la matraque. On va survivre, je ne pense pas. Si. Ouf. Mais comment tu découvres ça quoi? Enfin. L'autre il te dit. Oui non mais. Bref. Bon, on aura perdu 25 minutes. Une demi-heure, la moitié de l'épisode à se faire torturer. Merci. De m'avoir donné une super indication. Du type le miroir recharge ton truc quoi. Enfin, je veux dire ouais bah y a un miroir quoi. Don't be getting any ideas. Voilà.
Qui aurait pensé à ça? Press the L and R buttons alternately to use the jigsaw. But try not to make too much noise. Qui aurait pensé à ça? Dites-moi que c'était clair. Dites-moi que le jeu était clair. Alors, par où je dois aller, en fait? Allez, vraiment par là. Hein. Alors? Alors? Très bien. Ah. Des rations. Très bien. Les meilleurs soldats de l'univers. Et des prisonniers également à libérer, apparemment. Non, t'as rien vu. Mais pourquoi? Pourquoi ça m'y pose? Voilà. Merci. Le jeu m'y pose tout seul. J'ai bien aimé. Allez, barre-toi. Snake, that door won't open while the base is on high alert. You'll have to wait until the security level's lowered. D'accord. Hein? Mais qui m'a vu? Ah mais... Ah, j'ai aimé. J'aime ça. Mais... Allez, allez, allez. Allez, ouvre la porte. Oh, qui est con. Sérieusement. Bon, on avait mal compris. Une évasion fort difficile. Mais qui franchement, regardez... Pourquoi il te dit pas... Pourquoi tu... Trouve un moyen de regarder pour retrouver ta scie. Enfin, je vois pas pourquoi on nous le dit pas. Yeah. It's good to hear your voice again. Kaz, how about something a little sharper next time? You got it. How about a diamond bladed jigsaw? And when's the next time gonna be anyway? Sorry. Hey, you okay? Yeah, my lungs taste like charcoal. No smoking for you for a while, huh? I'll be fine. The pain in my chest is gone. So that was just a copy of the boss's wound? That's right. The scar is gone now. Nice work. What's the situation with you?
Everyone okay? Yeah, but there's a slight problem. I can't get a hold of Paz. Paz? I thought the professor was looking after her. So did I. Here's the deal. I started thinking, and I sent someone over to the school the professor mentioned. And the school doesn't exist. No, it exists, but Paz has been a no-show. The person at the school said neither the professor nor Paz had been seen there in quite some time. Coleman knew about us. We've been marked by the CIA. The KGB and Paz brought us into all this. Coleman must know about them, too. You think Coleman's got them? No. Remember, Galvez isn't some pencil pusher. Yeah. The KGB'll have eyes on Coleman night and day, too. Which could mean they knew what the CIA would try to do and are just staying out of sight. Let's hope so. See what you can get out of the KGB, Kaz. All right. Back to work. I better get moving. Snake, we haven't detected any signs that Peace Walker's been activated, at least from above ground. It's still in the hangar you were in earlier. This time, it's really our last chance. Destroy that AI. On my way. Ah. Bon, on a réussi à sortir de là. C'est déjà pas mal. Non, mais en vrai, qui aurait pu découvrir ça? En fait, ce qui est embêtant, c'est qu'on passe devant et il nous le dit pas si t'es en train de courir, en fait. Oui! Très bien. Des gens sont arrivés pour le recrutement? Bah écoute, vos combats, hein. Voilà. Très bien. Allez. Direction le hangar du Peace Walker. Snake, Peace Walker is being prepped for activation in the hangar at the bottom of the base. Get in there and destroy the AI before it's activated. Très bien, attendez, je nettoie mes lunettes. Tout va bien. Préparation de la mission. Bon, ça me paraît bien. Hein. Oui, c'est juste rejoindre le hangar. On n'a pas besoin de lance-roquettes cette fois. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai lu, il y a 33 missions. Nous sommes à la 21e mission. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de missions, mais... Va me dire comment t'as fait pour retrouver ton matos, hein. Get over to Peace Walker's hangar now. Oh, oh, oh. Lui là, il était pas piqué des hannetons ce tir. Oups. Understood. Maintain heightened alert. Merci. Alors. Recovery subject confirmed onboard helicopter. He's here. We're under attack. This is HQ. This is patrol. All clear. Understood. Return to base. Très bien. Ils ont pas eu le temps d'appeler. C'est donc une bonne infiltration. C'est là que je dois aller, hein. Oui. Bolton recovery subject confirmed onboard helicopter. Allez. Est-ce qu'on va vers le bon endroit? Telle est la question. Toujours prendre les ascenseurs. Mais oui, on va vers le bon endroit. Très bien. Les gens qui coordonnent leurs attaques sont trop de trouble quand vous êtes solo. Juste steer clear. Juste aller tout droit.
Ça devrait le faire. On peut monter. Faisons-le. Oh. Un Michel. Bravo. Ah. Un prisonnier. Prenons-le également. Te libère. Et je commence à utiliser le CQC. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Il faut le voir, il faut le dire. Le mec attend d'être aux deux tiers du jeu pour utiliser le CQC. Ok. On va arriver au hangar. De toute façon, il faut aller tout droit. C'est ça? Il faut descendre, nous dit-on. Alors, j'ai vu un mec à bouclier. C'est fatigant, les mecs à bouclier. Il faut leur tirer dessus dans le dos. Et nous, on n'aime pas tirer dans les gens dans le dos. Alors, utiliser le CQC. Alors, retourne-toi, Jackie. Merde, on va voir si je continue à faire le con. Voilà. Lui, il fait dodo. Il y en a un autre là-bas. Il tire au-dessus de sa tête. Tout va bien. Il n'a rien vu, rien entendu. Un mec qui monte là, non? Guess not. Oula, ils sont trois en bas. Ça me fait un peu peur. Mais l'escalier qui est là me mène là-bas derrière eux. Donc c'est bon, c'est ok, tiens. Y'a personne là. Voilà. Et là, je suis bien derrière les zigotos. Recovery subject confirmed on board helicopter. Oups. Ils ont donc un chemin de ronde. C'est ennuyeux. Bon, après on pourrait les tuer là. Vous avez vu cette infiltration? Vous n'avez pas l'habitude hein. Trop de talent. Trop de talent, tue le talent. Trop de talent, tue le talent. Moi, c'est ce que je voulais. C'est la seule chose que j'ai à dire. Vous êtes dégoûté, hein. It's too late, big boss. Snake. Boss. At last, I found her. The culprit who led you here to begin with should have taken care of her back at the supply facility. Snake. Don't! The mammal pod is finished. Peace Walker's activation sequence is complete. Finished. With the boss, you were loyal to the end. I'll grant you that.
But your silence was exactly the answer I needed. 10 years ago, your mission was to kill her. And her mission was to be killed by you. She fulfilled her duty to America to the very end. Thanks to you, Snake, the final missing piece is now in place. And thus, the boss is restored to life as the mammal part. I thank you. Restored to life? You're crazy! I'll let you in on a little secret, Big Boss. You see, I've already selected Peace Walker's initial target. An offshore area in the Caribbean. The trade winds will scatter the fallout all over the surrounding region. Crops and fish will die, leaving plenty of free hands to help us mass-produce Peace Walker. Oh, and wouldn't you know, someone's gone and built a pesky little fortress there. Now who would do that? I'm right in the middle of the target zone, too. Oh well, all the better to test the warhead, CEP. You bastard! I wonder who'll miss a ragtag band of pirates all the way out in the middle of the Caribbean. But first, we're going to prove to the White House that our baby can travel the Caribbean coast on its own. The whole world will know of Peace Walker's versatility. They'll witness the birth of a deterrent that can penetrate both communist and guerrilla-controlled territory, traverse any kind of terrain, and deliver a nuke anywhere it needs to go. Untouchable. Unstoppable. The perfect deterrent. The Cold War's days are numbered. Deterrence isn't only about America and Russia now. You know what? You're absolutely right. While we've been wringing our hands, China, France, even India have surpassed us. There's a free-for-all nuclear arms race brewing just below the surface. The nuclear threat will only spread, which is exactly why we must deter it here and now. The Peace Walker Project is the key. The advent of Peace Walker will bring calm to this restless world. Don't you see, Snake? We need nukes, controlled nukes, to have peace. Lies! Peace Walker will restore order. Order in the form of a new Cold War. But if the world is to understand the genius of our plan, we must launch! Stop them, Snake! Don't let him get away! Ah. Arrêtez les gens. C'est une très bonne manière de finir une mission. Alors. Ah, nous allons affronter le Peace Walker. C'est parti. Char bipède intelligent, un riposte automatique. Target is you. Here it comes.
Très bien. On a encore fait une connerie. Donc il a un lance-flamme, une mitrailleuse, des lasers, des missiles. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Ne nous inquiétons pas. Le AK maîtrise la situation. Allez. On va pouvoir se battre contre le Peacewalker. Et nous sommes contents de pouvoir le faire. Nous avons des lance-roquettes. Ne nous inquiétons pas. Snake est bien équipé. Lat. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais pouvoir tuer les gens discrètement. Et ça, c'est cool. Ok. 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 Fusil d'assaut, le développement s'est retardé. Ah ! Pourquoi cela ? Alors, mais voilà, plein de scientifiques. Voilà. Voilà, des grenades. Peut-être commencer à mettre des gens dans l'équipe médicale et l'équipe de renseignement. À arriver à un moment, ça peut être utile. Va faire de la guerre, toi. Va faire la guerre. Va faire la guerre. Voilà. Comment ça, ça a été retardé? Je suis pas d'accord, moi. Non, mais oh. Oh là là, tellement de trucs. Est-ce qu'on ferait pas des petites grenades? Bien sûr que si. Des petites greugreux. Allez. On va quand même faire un épisode peut-être un peu plus long. Hein, parce qu'on a perdu un peu de temps à se faire torturer. L'attaque du Peacewalker. Non, alors, pour le coup, les gars, on va quand même rigoler un petit peu. Alors, on prend le Gustave et le petit FIM. On a des marqueurs d'approvisionnement, on a de la bouffe, c'est parti. On va s'en sortir, ne nous inquiétons pas. Je suis sûr que nous pouvons gagner. We can win. Alors. Ça me paraît bizarre qu'on affronte déjà le Peacewalker. Il semblait justement que c'était le boss de fin, mais peut-être te tromper. Alors. Recharge. Oups, loupé. Hein? Pourquoi ça m'a explosé à la gueule? Je ne sais pas. Je recharge? Voilà. Plus munitions. Vite, changeons d'arme. Allez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Solide hein ce bordel. Oui. Je vais descendre.
d'approvisionnement là bientôt. Mine de rien. Alors, marqueur d'approvisionnement. Merci. Pourquoi je peux pas... Merci. Oui, on va les détruire. On lui dira... On lui dira... Faut attaquer son cul, hein, ça on le sait. Pas très facile. Il s'est retourné. Mettre en dessous de lui hein. Excusez-moi, je voudrais changer d'arme. Parce que... Il va falloir la casser entièrement cette machine. Quand même. Je suis assez fier de moi sur ce coup-là. Alors. Merci. J'ai apprécié. Merci. Ça va, on a encore de la vie. Ne nous inquiétons pas. Ah, je suis là. Hein. Lance-flamme. Ça bouge vite cette saloperie. Allez. Je suis pas dans l'économie hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la merde. Ça c'est bien, il a fait le con. Et nous, ça nous a donné un avantage. Merde, il s'est tourné. Salaud. Dis que t'as le droit de te tourner. Voilà, ça c'est bon. Alors, par contre, je vais reprendre ça. Est-ce que je vais devoir faire ça?
Là, j'ai peut-être été un peu présomptueux de mes forces. J'ai envie de dire. Merde. J'aimerais bien pouvoir aller chercher mes armes. Merci. J'aimerais bien changer mon arme. J'aimerais bien changer mon arme. Je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Même ça, alors ça c'est dégueulasse. Oh la petite triche là. Je peux pas changer mes armes, c'est fou ça. Le jeu veut pas me laisser faire quoi. C'est hallucinant. Voilà, j'ai fait une erreur, je perds. Voilà. J'ai fait une erreur, c'est d'envoyer mon truc. Et donc, derrière, il avait sa patte et je pouvais plus rien faire. Voilà, sa patte, elle m'a sonné. Derrière, lance-flamme, 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 lance-flamme. Super, merci. Alors ça, c'est du jeu qu'on aime bien. Ça, c'est de la triche qu'on aime bien dans les jeux. Fatigant. Très, très fatigant. En plus, je maîtrisais le combat. Hein, mais j'ai juste fait une erreur. Et voilà. Une seule erreur. C'est fou de perdre un fight à une erreur. J'aimerais bien pouvoir le voir, merci. Cette caméra était immonde dans ce jeu. Pire jeu quand même. Au niveau de la caméra, pire jeu. On sait pas ce qu'il faut utiliser quand ça zoome comme ça. Si c'est les flèches ou le joystick, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? C'est le pire jeu. Au niveau de la caméra, il est vraiment horrible ce jeu. Ceux qui ont joué peuvent attester. J'ai plus de Gustave. Merde. Hey. Touché. Il reste combien? Lance tes mines si tu veux. Pourquoi? Okay. J'ai été touché par un truc, je sais pas pourquoi, mais j'ai été touché quoi. Allez. Pourquoi je peux pas la prendre? Merci. Il est où? Je sais pas ce qui m'a attaqué là. Ça c'est violent des fois. Hein. Ok. Jette tes mines. J'ai demandé une roulade, elle est jamais partie. Ouais. Ça fait pas beaucoup de dégâts donc ça va. Ah la caméra! Caméra de sous jeu. C'est chiant. Tu dois envoyer tes mines là. J'aimerais bien que tu utilises un peu ton lance-flamme. Tu fais de la merde des fois avec ton lance-flamme et j'aime bien. Allez.
Il aime bien les mines, hein. Dans cette occurrence du jeu. Voilà. Très belle esquive du lance-roquette, hein. Ok. Ok. Bordel, il s'est relevé. Connard. Allez. Toucher la jambe, je crois. Ok, on est bon. J'en ai pris une en pleine tronche. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît guère. Je veux bien l'avouer. Quand il fait de la merde. C'est-à-dire pas là. Parce que là il va s'arrêter. Merde, on n'est pas dans le bon sens. Très bien. Je croyais que j'étais dans le bon sens, mais non. C'est pas grave. Merde. Ça va, on a fait de la merde. Et moi aussi j'en ai fait, donc ça va. Alors. Mon arme, merci. Je peux pas retirer des mines là. J'aimais bien ça tout à l'heure. Merci. J'ai apprécié. Alors. Pourquoi il a pas chargé. Il avait pas rechargé son arme. Quel con. Ah, bordel. Il a rebougé. Mais c'est parce que Snake n'avait pas rechargé son arme alors que je l'avais demandé. On avait eu l'animation. Ça met du temps. Mine de rien. Merde, comment? Alors, là.
tu peux balancer ça. Tu peux faire ça. Tu peux reprendre ton arme. Dépêche-toi. Une ration. Pourquoi pas. J'ai très très mal anticipé. Alors charger ton arme, ce serait gentil. Hey. Yes. Yes, 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 yes. Bon, ça, c'est fait. Pas très bien ton robot, hein. Vas-y, tire. Walker, char bipède intelligent, riposte automatique. Apparemment c'est plus un quadripode. Un cheval. Ce cheval, il est trop fort. Snake, you're entering the woods. Watch out! Peacewalker's getting away!
Mince. Faster, we're losing sight of it. Je me suis trompé. C'est le talent. Allez, on y va. Ah merde. On a pris plein la bouille. Ça le vise mieux. Quel talent. Aïe, pleine mouille. Ce qui est bien, c'est que même les chevaux de Snake résistent à des missiles et à des mines. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Fais ça, là. Tu sais pas viser. Moi, ça me va. J'aime quand tu sais pas viser. Allez. Je mâche, hein. Je mâche. Qu'est-ce qui se passe? Approaching the border. See you around, big boss. Holy, look at that! Snake, that's the border up ahead. Ah, c'est le cheval de Skyrim. Hang in there. Cet homme, rien ne l'arrête. Désolé, cheval, tu as été déchevalier. Ok. Quel talent. Ah, nouvel uniforme, la tenue de combat. Nous sommes contents. Snake. Kaz, Peace Walker's gone. They've got Paz too. Yeah, but... Why, Kaz? What would Coldman want with Paz? Paz was with the professor, i.e. the KGB. Once Coldman discovered that, he figured out what was really going on between Paz and Galvez. He's trying to figure out how the KGB plan to stop Peace Walker. And he thinks he can get the info from Paz. That's crazy. Paz won't know anything. He probably doesn't buy that. You think Galvez has already been killed? By grabbing Paz, Coldman's saying... Stay out of this, or lose your client. Damn it! I can't believe we didn't realize what was going on before we lost contact with Paz. Don't have time for that, Kaz. Snake! Paz needs our help. Right. This isn't about money anymore. You better move. We know where they're headed. Yeah. You can thank Amanda. Snake, that river you chased the Basilisco across is the Rio San Juan. The other side is our country. I had some Nicaraguan compas track it there. They're Focos, from the GPP faction. So we don't work together so much. Where'd it go? West, along the border, towards Lago Cocibolca. There's a U.S. military supply base on the southeastern shore of the lake. Ever since that earthquake 2 years ago, America's had the entire region to itself. That is where the Basilisco is. I'm sure of it. Lago Cocibolca. How do I get across the border? There's a route that we use to cross. It's just a little boat, but I can introduce you to the captain. I appreciate it. We will never leave Nicaragua at the mercy of someone like William Walker again. Snake, Coldman's going to launch the nuke from that base. He's targeting MSF. Based on what Huey's told us, it'll take 2 more days to prep for launch. But it looks like there's another reason they picked that date. What's that? Tomorrow is day one of a U.S.-Soviet summit in Vladivostok. The launch is probably connected somehow. That's right. They're holding the SALT-2 talks. You think Coldman's trying to disrupt the negotiations?
Either that, or use it as a bargaining chip. He's still got POS, too. At any rate, we're running out of time. I'll figure something out. Très bien. Évidemment qu'on va trouver un moyen. Ah, beaucoup de choses. Encore une fois. Très bon combat contre le Peace Walker. Hein. Ah, le M16 rang 2 a été fait. Nous sommes contents. Alors, le nouveau candidat, CC. Ah oui. Un petit peu plus de R&D. Un petit peu de mess. Fait de la bouffe. Ah, Coca Zéro. Très bien. Nous avons maintenant du Coca Zéro. Nous sommes contents. Alors, le M1C, ça c'est un sniper. Allez, allez, allez. Je veux bien. Je veux bien. Un truc que je veux voir. Celui-là, c'est quoi? À niveau 50 pour avoir le silencieux. Renseignement 30. Oui. Mon rang, on n'est pas loin. Nouveau modèle de fusil d'assaut léger, très précis, pouvant recevoir une grande variété d'accessoires via la R&D. Et donc là, CEA, CEA, BBC, BBC. Je vois pas la différence entre les deux. Je ne sais pas. C'est plus précis. Hein. Niveau 56, vous imaginez ça? 0%, 0%. La PKM. La PKM de rang 2. Niveau 34. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Niveau 38, on n'est pas loin. Enfin, on est déjà plus près que... 57, ok. Il n'y a pas... Ah si, il y a un niveau 3 là. Hein? 42. 27 en médical. Ah. 41 en R&D. Marqueur de frappe. 43. Ah, si on a le marqueur de frappe, on a ça. Si on a le marqueur d'approvisionnement, on a ça. D'accord. D'accord, d'accord. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.